et donc déclaré vainqueur, le coin bleu. Bon, déjà, Hakim, félicitations pour cette victoire. Merci. Comment tu te sens là maintenant? Franchement, je me sens bien. Ce fight, je l'attendais depuis un moment. Moi, normalement, je suis quelqu'un qui fight en Muay Thai. Là, c'est la première fois pour moi que je fight en K1 contre un gars. C'est pur K1, 85 combats. Moi, c'est seulement mon 5e combat pro. Franchement, je suis content, le travail paye. Et j'espère qu'on sera de retour sur le ring du Muay Thai Grand Prix bientôt. Justement, quel était le challenge dans ta préparation et ensuite, quand tu étais sur le ring? Le challenge, déjà, c'est compliqué parce qu'on passe du Muay Thai au K1. Donc, il faut enlever les coudes, le corps à corps. Au lieu d'être orienté sur la puissance, on va être orienté sur le débit. C'est une autre manière de boxer. En plus, le fait de prendre quelqu'un qui est quand même un nom dans le K1, c'était un gros défi pour moi, du haut de mes 5 combats pro. Et le travail, il a payé aujourd'hui. Donc je suis extrêmement fier et je dis merci à mon coach. Et justement, qu'a pu te dire ton corner pour justement bien te former pour le K1 et t'accompagner durant toute la rencontre? Là, le game plan, on savait que c'était quelqu'un qui débitait beaucoup, qui était un petit peu plus petit que moi. Donc il allait devoir casser la distance pour rentrer. Là, le but, c'était de sortir les jambes, de stopper dans ses attaques, pas trop mettre de points pour pas rentrer dans son jeu, rentrer avec des genoux. Et aujourd'hui, on voit que ça a payé. Et quel public? Est-ce que ça te stimule, ce genre d'ambiance? Franchement, là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens dans la salle qui étaient de son côté. On est chez lui. Il y a eu quelques gens qui sont venus me supporter. Donc déjà, je leur dis un grand merci. Et ça m'a boosté, justement, d'avoir ce public contre moi et de dire que non, je vais prouver malgré que je suis pas chez moi. Donc c'est avec plaisir que je reviens à Paris pour boxer. Et justement, pour un beau combat, il faut aussi un bel adversaire. Quelle stamina, quelle énergie, du début à la fin. Est-ce que tu as un mot pour ton adversaire? Franchement, c'est un gros guerrier, il a une grosse carrière. Plusieurs titres de champion de France, plusieurs titres de champion d'Europe, plusieurs titres de champion du monde. Moi, je suis un petit nouveau dans le game. Lui, il est là depuis un moment, donc pour moi, c'est un honneur de boxer quelqu'un comme lui. Et justement, la victoire est encore plus belle. Exactement. Franchement, je suis énormément content de cette victoire. Merci beaucoup, encore félicitations. Merci à vous.